j'étais amoureux. J'avais pas encore 16 ans, j'étais amoureux. Elle avait deux fois mon âge, belle comme le printemps. Comme un fruit dont on se lasse, à peine 30 ans. Excuse-moi, Jay, excuse. J'étais son... Oui. Loin de moi, vraiment loin de moi, l'idée d'interrompre ton exécution de francs, de chimérique, romantique et idéaliste, mais, ouais. Mais qu'est-ce que t'es après chanter là? Ben, c'est un classique de Claude Dubois. Un classique? Hein? Je m'excuse, mais c'est qui cette madame-là de 30 ans qui court après des petits gars de 15 ans? Hmm? Je sais pas, il l'a pas dit son nom dans toune, je peux pas... Ben, sûrement parce qu'il avait peur. Ben non, mais le petit gars, en tout cas, dans la chanson, il avait pas l'air mal à l'aise de tout ça, là. Imagine, GF, hein, une belle femme du double de ton âge qui te saute dessus pour te faire l'amour. Hein? Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais qu'elle est en shape, en tabarouette. Bon, pourquoi tu ne fais pas une toune de ton répertoire? Hein? T'es le gars le plus clean que je connaisse. Ben, j'ai juste à penser à ton nom, puis j'ai l'impression qu'on me pardonne trois péchés. Ah, oh, c'est vrai, ça. À côté de toi, là, du Purel, ça a l'air sale. Ah, ben... Vous êtes fine, merci. Ben, OK, de mon répertoire. Alors, Don Juan. Oh, ça, c'est bon. Du plaisir, c'est bien tout ce que je veux. Du plaisir, allez! Pour en allumer les feux et laisser dans un soupir quelques gouttes de plaisir. Je veux que l'on me serve encore des bouteilles de vin. Versez-les sur leur corps, que je les boive sur leur sein. Pardon, excuse-moi. Comment, quoi? Boire du vin sur le sein des femmes? Ouais, c'est... Un sein, ce n'est pas un contenant, qu'on se le dise. Est-ce que mes seins ont l'air d'être des décanteurs? Non, j'ai pas dit ça. J'ai juste supposé être sensuel, cette chanson-là. Ben, c'est vulgaire. T'en entends-tu beaucoup, toi, des chanteuses, dire qu'elles aimeraient ça brasser de la soupe avec un pénis? Non. Voilà. Coudon, en es-tu encore capable de jouer de la musique en 2018 ben, je sais ou pas, quoi? Mais peut-être un répertoire un peu plus vieux. Plus vieux, oui. OK. Plus vieux, plus vieux. Paulo Noël. Je m'appelle Paulette, je suis une... Non. Regardez, les filles, là, j'ai une idée, OK? On va ailleurs. Je vais chanter. Mettons, une des plus grandes chansons, un des plus grands classiques du répertoire québécois, tant qu'à moi, quand les hommes vivront d'amour. Mais il n'y a pas de femmes là-dedans. Mais les femmes sont où, les femmes? Hey, là, vous savez qu'on parle des femmes aussi dans cette chanson-là. C'est le gros bon sens, là, franchement. Mais ça n'existe plus, ça, Jean-François, le gros bon sens. T'es-tu sur les réseaux sociaux? Oui. Hein? Ben, c'est ça. Là, tout le monde est tout le temps choqué pour rien. Ah, pourquoi qu'on ne fait pas une petite chanson niaiseuse avec une chorégraphie, là, quelque chose de naïf, là, comme la Macarena, la danse d'Hélène? La danse d'Hélène. OK, ça va comme oui. Ça. J'aurai besoin de vous autres. Vous allez danser avec moi. Oui. Les chansons festives. C'est le fun. Je mets le doigt devant. Je mets le doigt derrière, je mets le doigt devant, je fais de tout petits ronds. Hey, finalement, c'est bien dégueulasse, cette chanson-là. Ben, c'est ça, c'est que... Ça se fait plus, ça. C'est qu'on le met où, le doigt? Puis c'est quoi, les petits ronds? Je pense que c'est pas très propre. Pas propre. On a-tu eu le consentement d'Hélène avant d'y mettre notre doigt dans le derrière? Non. Le consentement, Jean-François, c'est important. On est en 2018 au Comédia aujourd'hui, pas en 97 à Juste pour rire. C'est mon éditorial. Marque un point. Mais là, moi, là, je suis tanné. Là, je suis tanné parce que je m'en allais faire des chansons pour le monde. Là, puis chanter, ça vient du cœur. Puis des chansons, ça parle d'une époque. Puis si on efface ça, ben on efface l'histoire. Puis ça marche pas, ça, cette affaire-là. Là. Regarde, pourquoi? Pourquoi tu nous ferais pas du beau Éric Lapointe? Hein? Éric... Tu sais, ça tourne, là, tendre fait. C'est tellement touchant. Oh oui! Tendre fesse d'Éric Lapointe. Oui. Ben oui! Ça fait 6 minutes que vous me gossez avec mes tounes puis vous me proposez Éric Lapointe, tendre fesse. Avez-vous écouté les paroles de cette chanson-là? Oui. Vive le cul, on est donc beau tout nu. Il n'y a rien de plus tendre qu'une paire de fesses. Excuse-moi, mais il n'y a rien de plus dégradant pour la femme que ces paroles-là. Ça n'a pas rapport, vous me gossez, là. Laisse-moi t'expliquer. Tendre fesse, là, c'est comme un hommage à l'enveloppe anatomique et anthropologique que l'on a tous reçue avec, en prime, la génétique, tel un cadeau de la vie. Alors, ça marche, tout le monde est consentant, il n'y a pas de stéréotypes et je sens la fête de la diversité corporelle dans cet hymne glorieux. Ah, Éric Lapointe, ce grand féministe. Ben oui. Fait porc nous ça, mon JF. Ah, pis fuck off, le gars de Québec. Tout le monde tout nu, ouais!
Bruno Dubois, c'était pas si pire, finalement. Jean-François Brault, Catherine Etier et Kim Lévesque-Lisotte.